Ça c'est de ta faute, Laetitia. Je te l'avais dit de syndiquer. Nous à la CGT,
occupé. Oh, je déteste les vendredis et les samedis. Hein. Tu verrais la gueule des caddies. On met ça à croire qu'ils font les stocks avant la guerre. Puis alors, j'ai mon laser à Côte Park qui a bugué. Alors évidemment, les clients qui gueulaient. Puis alors, la Janine, là, qui disait que c'était de ma faute. Comme quoi que je serais trop brusque. Hein. Ah bah bonjour, la fin de journée. Hein. Vendu, je vais chercher les verres et le pinard. Allez, je vais chercher tout ce qu'il faut dans le buffet. Et si tu veux, tu seras mignonne, ma puce. À 6 heures.
homme chantier ou pas chantier, si t'as de la fièvre, ça sera arrêt maladie et puis c'est tout. Oh. M'arrêtez-vous deux, il y a pas une ronde qui commence, c'est l'heure. C'est...
de naissance de mémé Odette, c'est 28. Ah, j'ai aussi le même. Bandeau pour aujourd'hui, il faut garder les esprits. J'y crois pas, j'y crois pas. Oh, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne, faut que j'y retourne. Appelle le docteur, il y a ton père qui fait un malaise.
gagne le journal. Je te dis qu'on a gagné la super cagnotte à 27 millions d'euros. C'est si dingue, mais c'est comme ça. Mais t'es vraiment sérieux, Nana? Mais puisque je te le dis. Non.
jamais. Qu'est-ce qui nous arrive, ma poule? Trop de pognon d'un coup, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas équipé pour gérer tout ça, nous. Ah oui, ça non, moi je suis pas équipé. Si vous gardez tous les deux comme avant, hein? T'inquiète pas, ma puce. Une famille comme la nôtre, c'est du solide, hein. Mais t'inquiète pas, les tapeurs, ça va pas durer. Ils vont finir par se lasser. Tu crois? Oui. Papa a raison, maman. Regarde, ça fait au moins 5 minutes qu'on est tranquille. Cinglé.
Mais qu'est-ce que tu veux? Des années de routine et d'habitude, ça s'oublie pas comme ça. Eh ouais, c'est vrai qu'on n'est pas encore bien habitué. Et ben qu'est-ce que tu fais, tu sors? Ben je vais travailler. Enfin, voyons, Laetitia, tu vas pas continuer à t'emmerder à louer des fils de cul à la journée pour un connard, alors qu'on attend des riches. Mais papa, c'est toi qui riches avec maman, tous les deux. Moi, ça me regarde pas. J'ai su ma vie à gagner. Mais enfin, voyons, ma princesse, mais notre plus grande richesse à ta mère et à moi, mais c'est toi, avec ou sans l'auto. Et tout ce pognon qu'on a gagné, ben, tu peux le dépenser comme tu veux. Il est autant à toi qu'à nous. Mais bien sûr. Allez, c'est bien. Viens t'asseoir là et oublie l'autre bouffon, là. Maman, attends, tout de même, c'est pas bien, j'ai même pas prévu. Tant que le complexe, c'est bien. Qu'est-ce qui te ferait vraiment, vraiment plaisir? Je sais pas, moi. Allez, vas-y, vas-y, à fond dans le délire, là. Qu'est-ce que tu veux? Une voiture de sport? Une petite. Oh, c'est pas un délire, ça c'est une formalité. Je t'ai commandé une Porsche, tu l'auras mardi prochain. Mais pense à autre chose. Mais tu es fou, papa! Mais c'est déjà très bien comme ça. Le rêve absolu, c'est quoi pour toi? Non mais c'est pas la peine, de toute façon, c'est pas possible. Mais atterris, ma princesse. On est multimillionnaire en euros, tu peux réaliser tous tes rêves. Voyons, Laetitia, faut tout dire à son papa, hein. Bah, moi, tu vois, je suis heureuse, hein. Je vous aime. Mais si un jour, je pouvais devenir une grande dame. Ah oui, qu'on m'invite à manger à la table des princes. Oh, et puis qu'on me fasse le baisement. Hein. Ah oui, puis qu'on m'ouvre les portières. Ah oui, et puis passer les week-ends dans les châteaux, et puis courir le long de la mer à Monaco, dans une belle robe blanche, à côté d'un prince amoureux là, qui me poursuivra. Ah oui, quand même. Je te dis pas qu'on va faire ça dans la semaine, mais il y a sûrement des solutions. Laisse, j'ai pas dit mon dernier mot. Je te fais faire des vies. Bon, j'y vais. Laetitia. Papa, c'est toi qui m'as élevée, c'est toi qui m'as donné des principes. Alors, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est riche qu'on doit mal se conduire. Non, non, je vais tout de même aller les prévenir à la boutique. Et s'ils ont besoin de moi, je leur donne un coup de main. T'es gentille, ma puce. À tout à l'heure. Voyons voir qu'on n'est pas chaud. Voyons voir. Alors, carrosserie, charpente, déchets, établissement, fort, garage, pompe, poste. Y'a pas princesse. Elles sont sûrement toutes en liste rouge. Si avec 25 millions d'euros, je peux pas faire le bonheur de ma fille, c'est bien la peine d'avoir gagné. C'est pourtant vrai que les journées sont un peu longues quand on bosse fort. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a à la télé aujourd'hui. Alors... Alors, sur TF1, à 15h30, Jean-Édouard Bernel présente Giscard d'Estaing, Lady Di, Légende ou Liaison. Jean-Édouard Bernel. Mais bon sang, mais bien sûr, oh, nanar, t'es un génie.
mademoiselle. J'aimerais être mis en relation avec le domicile de monsieur Jean-Édouard Bernet. Bernet! B comme Bernard, E comme Ernestine, R comme Rachid, N comme Nadette, E comme Ernestine et L comme cousin frère. Alors, non, je n'ai pas son adresse, mais à Paris sûrement, oui. Comment? Vous avez une charcuterie Bernet dans le 20e arrondissement? Oh oui, non, ça ne doit pas être ça. Vous n'avez rien d'autre. Bon, ben tant pis. Hein. Allez, au revoir, mademoiselle. Qui est-ce que t'appelais? Jean-Édouard Bernet. Oh, oh, oh l'autre, Jean-Édouard Bernet. Moi, je te préviens, s'il vient manger avec Depardieu et Madonna, j'aurai sûrement pas assez de gâteaux. Je t'ai pas, il faut absolument que j'ai son numéro. Enfin, pourquoi tu veux contacter Bernet? Il n'y a que lui qui peut nous aider. Je te suis pas, là, je comprends pas. C'est pourtant simple, laisse-moi te l'expliquer. Tiens, viens t'asseoir là. Écoute, nous deux, on approche bientôt de la cinquantaine. Et il vient de nous tomber sur la tronche une cascade de pognon. Alors une fois qu'on aura dormi dans un lit super confortable et qu'on aura bien bouffé, le reste est du superflu, t'es d'accord, hein? Le Ricard, je vais quand même pas me le mettre en perfusion. Enfin, il y a pas que ça. Oui, d'accord, un super appart, une super caisse, et après, enfin, voyons maintenant. Tu sais bien que moi, mon seul plaisir, c'est de me réveiller près de toi tous les matins. C'est vrai, ça, maman. Bien sûr, tu le sais bien. Alors justement, pourquoi est-ce que tu prends de chou à vouloir contacter Jean-Édouard Bernet? Mais c'est pas pour nous, c'est pour Laetitia. Je te suis pas. Mais tout cet argent-là, il faut que ça serve pour Laetitia. Pour qu'elle change de planète, pour qu'elle devienne une vraie princesse. Mais comment on fait alors? Ben c'est simple. Attends. Ah non, pour toi, c'est pas simple. Voilà. Alors, je travaille à la télévision. Je mange tous les midis, le soir, le dimanche et toute la semaine. À la table des duchesses, des princesses, des ministres et de toute la jet set réunie, je suis. Ouais, Jean-Édouard Bernet. Daniel. Tu voudrais qu'il épouse Laetitia? Ah non, non, qu'il l'épouse, ça serait trop. Non, non, qu'il lui fasse une formation, ça sera largement suffisant. Une formation pour lui apprendre quoi? Eh ben, les bonnes manières, la vraie culture, la vraie conversation. Tout ce qu'on n'a pas, nous. Ah bon? T'es sûr parce qu'on n'en a pas, nous? Certain. Enfin, il n'acceptera jamais. Écoute, Nadette, avec 25 millions d'euros, il n'y a personne qui peut te dire. Il nous reste plus que 21 millions d'euros avec tout ce que tu as déjà donné. Oh, mais c'est largement suffisant. Attention, Bernard. Va pas trop loin. L'argent n'achète pas tout, tu sais. Écoute, Nadette, je me dis que depuis qu'on en a beaucoup, ça reste encore à prouver. C'est pas une mauvaise idée, ça, non plus.
Mais je sais pas s'ils en font en rose. Qui c'est? C'est moi, ouvre vite. Laisse-moi à le mettre sur le canapé. Mais qu'est-ce que t'as encore acheté, Lana? Qu'est-ce que t'as acheté encore? Je n'ai pas acheté, enfin pas encore. Et alors elle est lourde, cette couverture, elle est en quoi? Acrylique et chair fraîche. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas dû être d'accord quand même? Oh, arrête, je ne fais personne. Tu me le jures, c'est vrai, il est pas mort. Non. Mais qui c'est? Devine. C'est marrant, ça, hein. Il serait pas enflé. Je suis de côté de la figure. Eh ben, on jurerait Jean-Édouard Pernelle. C'est lui? Non. Si, ça y est, il est là. Mais l'enflure. Ah ben ça, c'est la clé à molette arrachée. Oh, il a eu un accident avec, il est tombé dessus? Non, ça serait plutôt l'inverse. Je comprends pas, là. Ben, en attendant, donne-moi des cordelettes à rideaux. Il faut que je l'attache. Tu vas quand même pas l'attacher, Nana! Je vais me gêner! Maintenant qu'il est là, il y reste! Jean-Édouard Pernelle dans mon salon! Et dire que je ne suis ni coiffée ni maquillée! T'inquiète pas, avec la migraine qui va se taper à son réveil, il fera même pas attention! Je vais aller chercher un pochon avec de la glace et puis de l'aspirine. Mais alors, je tiens à te dire, Nana, que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Enfin, on n'est pas des voyous quand même. Non, on est des parents attentifs. Attention, il bouge, il revient à lui. Bon, je vais chercher la glace. Hein. Tenez, buvez ça, ça va vous ramener parmi les vivants. Vous êtes bien aimable. Eh bien, j'ai les mains attachées. Ah bah oui, c'est vrai, je vais vous tenir le verre. Mais pourquoi attacher? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est le porto de la gardienne, elle nous le ramène de ses vacances. Mais bien, elle revient à pied du Portugal. Et où sommes-nous ici? Aux urgences? Non! Vous êtes chez moi! Eh bien, c'est bien aimable à vous. Notez, je me disais. Ça fait pas clinique. Bon, eh bien, je me sens mieux maintenant, alors détachez-moi, s'il vous plaît. Pas avant que nous ayons eu une petite conversation. Au risque d'être discourtois, j'aimerais repousser cela plus tard. Je immigrerai l'épouvantable comme si j'avais pris Big Bang sur la tête. Et ça va pas durer, c'est la clé à molette arachide. Mais rassurez-vous, tous ceux qui l'a dépouillé n'ont jamais eu de séquelles. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quelle clé à molette? Tenez, monsieur Bernard, vous allez vous mettre ça sur la tête. La tête, vous allez prendre cette aspirine et vous serez beaucoup mieux après. Ah oui, attendez, je vais vous aider. Mes hommages, madame. Chez qui vous êtes quand même? C'est l'avantage que vous avez sur moi. Oh, pardon. Leblanc, Bernadette Leblanc. Mes hommages, monsieur Bernadette. Leblanc. Mais c'est le même nom que ce cinglé qui me harcèle au téléphone depuis des semaines. C'est moi. Alors là, il va falloir qu'on s'explique. Mais d'abord, j'exige que vous me détachiez. Nana, détache monsieur Bernadette, voyons. Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Je vais d'abord lui expliquer le scénario et je le détacherai après, enfin, peut-être. Vous êtes un malade, un psychopathe, un serial killer. Ah bah quand même pas. Ah bah oui, c'est un malade, je vous dis. On répond pas. Mais si on répond, mais vas-y.
C'est une belle chatte. Ah oh, oui, ça j'en doute pas, comme sa maîtresse, hein. Sacrée madame Romieux, là. Oui, écoutez, non. Oui, non, oui, mais bon, ben, d'accord. Amenez-nous le demain matin, oui, c'est ça. Au revoir, madame Romieux. Saloperie de chat, tiens, pousse-moi de là, toi. J'ai failli mourir, m'étouffer, m'écraser, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Voilà, monsieur Bernet devient enfin raisonnable. On va pouvoir discuter. C'est délicieux, la librairie. Oh, je vous ai ramené un petit goût de champagne. Et puis bon, hein, c'est marqué dessus. Demi-doux, méthode champenoise. C'est cher et toi, Bernet? Absolument, ma chérie. Oui, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il t'attendait. Oh, je vais m'évanouir. Oh, il est encore plus top que sur point de vue. Jean-Edouard Bernet, je vous présente ma fille, Laetitia Leblanc. Bon, bien. Très honoré, monsieur Bernet. Laissez tomber les formules de politesse et les civilités, hein. D'abord, je ne connais pas le protocole de la garde à vue. D'habitude, on retire les lacets, mais là, on m'a pris mes lunettes. Et je vois rien sans mes lunettes. Et en plus, mademoiselle et moi, nous ne nous connaissons pas. On se connaît pas. Ah, bah, ça, alors, c'est la meilleure. Jean-Edouard Bernet, né le 26 février 1964, à 8h02, heure du lever du roi, accouché à Neuilly-sur-Seine par le professeur Alain Philippe de Blainville, sage-femme Marie-Dominique de Saint-Alide, école primaire à Notre-Dame de la Miséricorde, dans la classe de Madame Rosenberg. Devient royaliste à 4 ans, en mai 68, en découvrant l'effigie de Sa Majesté Élisabeth de l'Angleterre sur le couvercle d'une boîte de caramel goût. Études secondaires au collège du Rosaire en Suisse. Aurait été déniaisé par Clotilde de Clermont-Langlois ou par son frère dans le château du Duc d'Orléans à l'occasion du week-end pascal de 1987. Se fait retirer les amygdales et les végétations en même temps que Pierre de Granjou pour son suicide et que Alexis Romanov et Ginette d'Anjou dans l'infirmerie du château de Langeais chez le Duc de Luynes. Aéré, le Richelieu du comte de Paris, le Mazarin de France Inter, la Marianne de Canal Plus. Et voilà. Voilà comment on se connaît pas. Hein. Je dois reconnaître, monsieur Leblanc, qu'il est agréable de rencontrer une jeune fille qui a une certaine culture. Mais cela n'explique toujours pas ce que vous attendez de moi. Mais si vous m'aviez laissé vous l'expliquer depuis 3 semaines, on n'en serait pas là. Vous voyez ma fille, là, Laetitia. Eh bien, je veux que vous en fassiez une madame Laetitia. La comtesse Laetitia. La princesse Laetitia. Dites-moi, la clé à molette de votre amie Rachid, elle est tombée sur toute la famille, non? J'ai de l'argent, Bernet, je peux payer. Mais ce n'est pas une question d'argent, ce n'est tout simplement pas possible. Allons, monsieur Leblanc, on est raisonnable. Vous me détachez, vous écrivez une gentille petite lettre au père Noël, et moi, en rentrant, je la poste. Vous foutez pas de ma gueule, Bernet, et ne nous prenez pas pour des cons. Exactement, parce que c'est pas parce qu'on est plus riche que les autres qu'on est plus bête. Bernel, ma fille sera princesse et c'est vous qui allez vous en occuper. Jamais. C'est ce qu'on verra. Un petit pied de porc.
finira bien par céder. Vous êtes complètement inconscient. À l'heure actuelle, la France entière est en train de chercher. Il a raison. Tu sais, il est très connu. Il cherche mollement quand même. Salut. Vous n'y mettez pas du monde non plus. C'est quand même pas la mer à boire, ce qu'on vous demande. Nous, on vous donne de l'argent, vous nous transformez notre Laetitia en princesse, et puis tout le monde est content. C'est pas plus difficile que ça. Effectivement, encore. Mais vous avez du chantier. Même en travaillant des mois là-dessus, je ne pourrais en faire qu'une speakerine de France 3 Régions. Vous savez ce que vous dites, la speakerine de France 3 Régions, hein, Lambert? Calmos, ma puce, calmos. Il n'a pas encore assez faim. Bon, monsieur Bernel, on prendra ce petit débat demain, si vous voulez bien. En attendant, bonne nuit. Est-ce que je pourrais avoir une couverture? La nuit dernière, j'ai eu un peu froid. Bien entendu, fallait demander, hein. Stop! J'ai peur qu'en l'absence de négociation, ce ne soit pas possible. Le confort carcéral est restreint à son strict minimum. Pensionnaire! Papa, tu vas loin quand même! Tu veux que je t'aide à faire la vaisselle, maman? Non, ça ira, ma fille. Tu peux aller te coucher, on fera ça demain. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Je vous laisse une petite veilleuse, ça sera moins triste. Monsieur Bernel, ça va? Monsieur Bernel, vous savez, moi, ça me gêne cette situation. Mais si ça vous gêne, détachez-moi alors. Je ne peux pas, mon âme ne le pardonnerait jamais. Tenez, un petit paquet de cookies. Vous verrez, ils sont délicieux, ils sont aux noix de pécan. Non, merci. Enfin, vous allez finir par tomber malade. Une grève de la faim, c'est fait pour cela, figurez-vous. Une grève de la faim, enfin, tout de suite, les grands mots. Mais on n'est pas non plus en Amérique du Sud, chez Paul Bond, hein. Non, ni au Vietnam, chez Pinochet. Eh bien, justement, alors mettez-y un peu du vôtre. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Je vous laisse quand même les gâteaux. Non, merci. Quelle tête de cochon, celui-là, alors. J'ai en train de lire Gala dans ma chambre et je tombe sur qui en page 12? Sur vous?
reste garni un peu. Mais ça, c'est les compétitions de luge. Hein. Ça va trop vite. Ça arrache les cheveux. Oh, mais Stevie, vous connaissez Stevie? C'est bon, on va pas réciter tout le bottin du show business non plus. Ah bah ça va, c'est bon. C'est pas la peine de monter sur votre grand chevaux. Après tout, ça, ça m'est égal. Hein. C'est pas la peine de faire votre vedette. Si ça vous est égal, expliquez-moi ce que je fais là, alors. Mais c'est pas moi, c'est mon père. Et vous le savez bien. Les parents, ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Alors papa s'est mis dans la tête que vous étiez le seul à pouvoir ouvrir les portes du grand monde. Là où les gens sont toujours heureux, bronzés, souriants. Là où les gens sont gentils. Ça, c'est sur l'île aux enfants, chez Casimir. Ça, je ne pas. Je suis sûre que dans la jet set, on a tout un tas d'amis qu'on retrouve tout le temps dans les fêtes. C'est marqué dans les journaux. La vraie vie, quoi. Parce que vous croyez vraiment que ça se passe comme cela? Bah, tout ce qui est marqué là-dedans, c'est quand même pas des mensonges, hein? Vous, par exemple, j'ai lu dans Voici que vous étiez un des plus riches de la télé. Mais enfin, ma pauvre fille, je viens d'avoir un redressement fiscal qui m'a mis sur la paille. Mon appartement est hypothéqué, ma voiture est en leasing et même ma montre m'est prêtée par un grand joaillier. C'est pas possible, je crois pas. Mais si, c'est du bidon, cette planète pitfall, du bidon. Tiens, Stevie, vous vouliez savoir? Bah oui, racontez. Eh bien, c'est un pygmée albinos trouvé par un explorateur en forêt. Il y a 58 ans, il a été lifté 11 fois. C'est épouvantable ce que vous me dites là. Et encore, ça n'est que le haut de l'iceberg. Mais vous, Laetitia, votre avenir, vous le voyez comment? Alors, hein? Faire partie de la jet set. En deux, être en photo dans tous les magazines. Voici, gala, hola. Et en trois, rencontrer un gentil garçon qui m'aime, qui a une bonne situation. Ah, mais surtout, ah oui, ça, c'est très important. Qu'on fasse construire avant d'avoir des enfants. Pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Oui, non, peut-être. Oh, tu m'embrouillais pas. Hein. De toute façon, je ferai ce que veulent mes parents. Et dites donc, vous, si elle n'est pas si top que ça, la planète People, pourquoi vous en faites partie? Aujourd'hui par habitude, mais par le passé, parce que ça a servi mes passions. Passion de l'histoire, passion du panache, de l'élégance, de la beauté. Pour se fabriquer des alignifugés, il n'y a que cela, Laetitia. Être passionné, prendre un cap et s'y tenir. C'est pour ça, Jean-Édouard, que j'ai besoin d'un coup de main. Parce qu'avec toute cette cascade de pognon, moi, je suis déboussolée, moi. Dites, Jean-Édouard, vous allez nous aider? Vous savez, ça n'est pas si facile, Laetitia. Je suis sûre que vous allez nous aider. J'ai toujours su que vous étiez un gros cœur avec un costume bleu. C'est ma... Non, non, non et non. En moins de 2 mois, je ne peux rien faire. C'est trop court, il me faut du temps. Donc, 2 mois et c'est tout. Ah, on vous demande pas non plus qu'elle cause 3 langues et puis qu'elle devienne maîtresse d'école. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse sortir dans une soirée sans que les autres rigolent. Et puis, mine de rien, vous avez dit 2 millions par mois. Alors, multiplié par 2, ça commence à faire une somme. Je me demande même si ça frise pas un peu l'escroquerie. Surtout qu'on n'est même pas sûr de récupérer la TVA. Non, mais dites donc, les Leclan, ce n'est pas moi qui suis venu sonner à votre porte. Alors, je regrette, ça fait peut-être un peu cher. Mais reconnaissez que ce n'est pas facile de faire une Ferrari quand on a un châssis de Lada. Allez, donc ! Il va pas bien, lui, là ! Il a rien dit, il a rien dit. Bon, disons 1 mois et demi, Bernel. 2 mois, et ce n'est pas discutable. Enfin, Nana, puisque ce n'est pas discutable. Et puis c'est toi qui es allé te chercher, monsieur Bernel, non ? Et je ne reviens pas sur ma décision. Allez, top là ! Jean-Éloire et Facho, qui s'en dédient ?
C'est une nouvelle expression. Ah non, c'est comme ça qu'on scellait nos accords au syndicat. Ah, je vois, mais... Alors ça aussi, il va falloir oublier très vite. D'ailleurs, je vous explique tout de suite. Asseyez-vous. Ce n'est pas Laetitia toute seule qui va faire son entrée à l'école du savoir-vivre et des mondanités, mais bien vous trois. Alors à partir de maintenant, l'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok? Bon, parce que nous aussi on va apprendre alors. Mollo, j'étais pas prêt au contrat, ça. Mais je suis pas mûr pour retourner à l'école, moi. Hein? C'est pourtant absolument nécessaire. Vous voulez que je parle à Laetitia, que je la fasse entrer dans le monde, dans la Jet Set? Alors ne vous leurrez pas, les Leblanc. Avant de recevoir une jeune fille ou un garçon dans la bonne société, on s'inquiète d'abord de sa famille et de ses parents. Oh la vache! Il a vidé la bouteille! Alors vous n'avez pas vraiment le choix. Il va falloir vous y mettre très vite. On n'a jamais vu des bigorneaux produire des perles. C'est où les bigorneaux? Moi, personnellement, j'aime autant qu'on fasse ça à trois. Ça me filera moins la trouille, hein. Mais dites, Bernel, on est d'accord, mais c'est le même prix pour une personne ou pour toute la famille? Évidemment, c'est un forfait. Une dernière chose. On n'a jamais vu la belle au bois dormant se réveiller dans un gourbillon infâme à Créteil. Non mais de quoi il parle là? Je comprends rien. De chez nous, maman. Oh. Non mais ça va pas bien, Bernel. Faudrait pas aller trop loin quand même. Parce que d'après mes amis, j'ai toujours eu un goût très sûr. On vient changer d'amis. Si en plus faut qu'on déménage. Mais ça, il y a urgence, mais je m'en occupe. Je vais vous trouver un appartement duplex meublé de 300 mètres carrés à Dumontel. Il y en a qui se libèrent régulièrement. 300 mètres carrés meublés? C'est pour faire un gîte rural? Dans le monde où vous allez entrer, il faut bien 100 mètres carrés par personne. S'il faut. Et au moins là-bas, on aura moins de tapeurs à la chaîne. Vous en aurez moins, mais plus cher. Et toutes nos affaires d'ici, là, on en fait quoi? Moi, je veux pas quitter notre appartement. Ça fait 16 ans qu'on est heureux ici. Et puis, tout ce que vous voyez, là, autour de vous, c'est rien que des souvenirs de bonheur. On va quand même pas refiler tout ça à Emmaüs! Il n'en voudrait pas. De toute façon, ici, on est chez nous. Alors, même si on va quelque temps ailleurs, on n'aura qu'à mettre Rachid comme gardien. Non, mais ça va pas, toi! Le galopé, ça commence à m'agacer tout ça. On a qu'à tout arrêter, et puis c'est tout. Libre à vous. Si vous avez l'intention de contester toutes mes décisions, autant tout abandonner tout de suite. Ah, du calme, les filles, du calme. Alors maintenant que Jean-Édouard est d'accord, plus moyen de reculer. On va jusqu'au bout. Ça va être chaud, hein. Eh bien, en tout cas, il n'y a personne qui piquera mon galopé. Et papa, qu'est-ce qu'il en pense? Lui, il en pense.
Jean-Édouard à la maison de la radio. Eh oui, il faut que les enregistrements de ces émissions soient compatibles avec notre rentrée des classes. Puis alors après, il ira traîner du côté de la bourse. Ça démange l'anard de devenir un businessman d'affaires. Eh ben, il n'aura pas beaucoup de temps, parce que Jean-Édouard m'a annoncé qu'on aurait des devoirs à faire aussi le soir après les cours. Et puis quoi encore? Il n'en ferait pas un peu beaucoup au niveau du zèle, le Jean-Édouard? Eh ben, c'est loin qu'on puisse dire. Il est motivé de chez motivé. Dis, ma princesse, c'est pas toi qui lui aurais tapé un peu dans l'œil au Jean-Édouard? Parce qu'en finalité, eh ben, je trouve qu'il a abdiqué assez facilement, hein. 700 000. C'est pour 700 000 d'abord, c'est 4 millions. Don't dream, maman. 700 000 euros, c'est le montant de son redressement fiscal. Alors tu penses qu'on est tombé à pic? Bon, ben, je vais m'habiller, moi. Et qu'est-ce qu'on fait ce matin? Du ménage. Et franchement, ça commence à me gaver. On sera pas trop de toutes les deux pour récurer la cuisine. Parce que je sais pas si t'as vu dans quel état elle est. C'est des porcs qui habitaient ici avant, c'est pas possible. Mais tu sais, maman, si 28 000 euros de loyer par mois et avoir une chambre, une cuisine, on se raconte. Dans cet état-là, on aurait dû les capter au service d'hygiène. Hein. Les locataires d'avant, si ça se trouve, ils sont jamais rentrés dans la cuisine. Qu'est-ce que tu racontes? Il fallait bien qu'il mange comme tout le monde. Évidemment, mais la concierge nous a dit que les trois chambres de bonne étaient occupées. Alors il y avait peut-être une cuisinière, un valet, une femme de chambre. Bon, tu crois, comme des Carrington dans Dynastie? Oui. Oh, bah, c'est pas de là qu'on aura ça, nous, hein. Faut être riche. Mais maman, on est riche. Oh, c'est vrai. Oh, mais tu sais, ma puce, je m'habituerai jamais. Je vais m'habiller, moi. Je voudrais pas que Jean-Édouard me trouve dans cette tenue. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Thank you.
que mes amis, elle a reçu une éducation irréprochable. École des Roches en Normandie, collège du Rosaire. Elle parle trois langues couramment. Elle monte comme une amazone, elle est championne de golf, grand prix de piano. C'est une excellente bridgeuse et elle tutoie tout ce qui compte en Europe. Et c'est ça qu'on va avoir comme boniche alors? C'est pas une boniche, laisse finir. Mais elle, qu'est-ce qui la motive pour participer à notre transformation? Eh ben, le pognon, tiens, cette idée. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais on sait d'où elle vient et sa famille, ils vont être d'accord. Hélas, il y a bien longtemps que Marie-Antoinette est orpheline. Madame, bon, elle a pas trop, hein. Elle cumule boniche et orpheline. Elle n'a pas fait un petit héritage, parce que quand on élève ses enfants comme ça, c'est qu'on a du bien en général. Ah, mais alors elle est peut-être fâchée avec tout le monde. C'est une histoire assez compliquée. Marie-Antoinette est en fait la fille de l'ancien despote africain Raoul Cissé. C'est quoi un despote? C'est un peu comme un roi, mais en très méchant. Et son père, il est plus au pouvoir? Ah non, 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 non. Il a été arrêté, fusillé, puis jugé. Ah, vous l'avez dans le désordre. Hélas, pour Marie-Antoinette, je suis dans le bon sens. Et sa mère? Ah, mais sa mère. Une des 12 concubines disparues dans la Chianli qui a suivi la Révolution. 12 concubines, eh bien dis donc. N'y pense même pas, toi. Ouais. Ah, mais elle a dû être complètement déboussolée. Oh, pas tellement, non. Marie-Antoinette a été envoyée en pension en Europe, elle avait 4 ans. Elle a été pourrie, gâtée jusqu'à 20 ans, mais sans jamais revoir sa famille. Aussi, quand celle-ci a disparu, eh bien, le cordon ombilical était déjà sérieusement entravé. Mais ça fait au moins 20 ans qu'ils ont fusillé son père. 25 ans tout rond. Alors c'est pour cela que depuis, Marie-Antoinette a survécu en faisant des petits boulots d'organisatrice de réception, dame de compagnie, traductrice. Elle remplaçait l'intendante à l'école des Roches quand moi-même, j'y étais pion pour finir mes études et arrondir mes fins de mois. Ah, c'est une femme très attachante, alors je l'ai naturellement prise sous mon aile et au fil des années, eh bien, nous sommes restés amis. Pauvre femme, quand on y pense, hein, et tout ça, ben encore à cause de ces noirs là-bas. Attendez, vous allez nous coller une noix? Mais trompez-vous, Bernard. Marie-Antoinette est aussi indo-européenne que vous et moi. Mais tout à l'heure, là, vous nous avez dit que son père était despote africain. Alors, despote, c'est comme africain, c'est noir. Oh, mais maman, il y en a toutes les couleurs, hélas. Oui, mais sa mère était blanche, tout comme le professeur d'équitation. Parce qu'il montait aussi. La mère de Marie-Antoinette l'a très tôt envoyée en Europe. Ah, bah oui, comme ça, envoyez-moi qu'elle était blanche, hein. Bah, comment se rend alors? Mais dès ce soir, j'ai organisé un petit dîner pour que vous fassiez connaissance. Ce soir, un dîner? Mais on n'a rien à manger, puisque c'est elle qui était censée s'en occuper. C'est pour cela que nous allons tous dîner au bistrot romain. Au bistrot romain? C'est un peu cheap, mais ça ira, non? Bon, mais s'il y a des chips, il n'y a pas de problème. C'est pas un peu trop gardé, votre restaurant. Ce j'ai le droit, moi. Au niveau maintien, on est débutants quand même, hein. Non, ça ira, pas de soucis. Faut que je me change peut-être. Je suis pas assez bien habillée. Non, ben, oh, les filles, on dîne avec la boniche, pas avec l'archevêque de Nantes. Après vous, cher ami. 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 Mais je vous en prie. Mais je n'en ferai rien. Thank you.
n'allons pas recommencer la négociation. Se réapparaître ici, ce n'est plus possible. Donc il part chez le garde-meuble. C'est à mon mari que je parle. Un garde-meuble? Vous appelez ça un garde-meuble, vous? Je viens de signer le bon de transfert. La déchetterie de Levallois-Perret. Vous appelez ça un garde-meuble? Oh, écoute, Nathalie. Non, j'écoute rien du tout. Vous êtes deux beaux salauds, tous les deux. C'est pas parce que on est riche, qu'on a plein de pognon, qu'il faut cracher sur ce qu'on a eu tant de mal à gagner. Oh, moi, j'ai honte pour toi, Bernard. Enfin, écoute ma grosse puce. Je suis encore à la bourre. Alors ça, je l'avais également remarqué.
J'étais au cabinet. Comment faire d'excuses et à retravailler en urgence? Et comment qu'il faut dire? Alors, par exemple, si je vous prie de m'excuser, j'étais retenue. Par exemple, je vous prie de m'excuser, j'ai été retenu par un petit pipi, ça va comme ça. C'est mieux. Oh, pardon. C'est un couteau au poisson. Bon, ça sent bon.
les autres. Et ben dans les communions et les baptêmes, quand elles sont liées pas, va ben on la repérer, toi. Sinon, je vous colle le samedi après-midi. Oh non, hein, Bernard, arrête. Hein. Moi, samedi, je peux pas, je vais chez le coiffeur. Hein. Bon. Passons maintenant aux différents verres, à leur taille et à leur usage. On pourrait pas plutôt s'occuper de ce qu'on met dedans. Non, bien sûr, l'œnologie, c'est Jean-Yvoire qui vous le fera. Ah, ah. Yeah.
J'aurais pu. Dans mon cas, ça n'aurait fait qu'embellir la réalité. Oh, n'exagérez pas. Être riche quand on est gamin, ça doit pas être désagréable. Oui, bon, bien sûr, vous avez raison. Mais je crois que si on m'avait donné le choix, eh bien, j'aurais préféré être aimé. Oh, ça moi, j'ai pas eu à me plaindre. Mes parents, ils m'ont toujours donné tout ce qu'ils pouvaient. On est toujours partis en vacances ensemble, à la mer. En famille. Mais vous, vos parents partis bien. Ils vous rejoignaient jamais. Ah, ça a failli. Une fois. Le collège du Rosay avait organisé une croisière sur le mer Rose. Nous devions sillonner la mer Égée et faire escale dans les Cyclades. Comme mes parents étaient en poste à Athènes, eh bien, ils avaient promis de venir déjeuner avec moi sur le paquebot. Alors, je l'avais annoncé à tout le monde. Et alors ? J'étais fier, vous pensez. À cette époque, mon père n'était encore qu'ambassadeur, mais il roulait déjà avec la limousine et les motards. Alors, ça allait pas de mes copains, vous pensez ? Alors, avec ma petite cravate de l'école et mon blazer, eh bien, je suis allé les attendre à la coupée. Les autres sont partis en excursion. Moi, j'attendais. Quand ils sont rentrés, j'attendais toujours. Pas de nouvelles des parents et les copains se sont bien moqués de moi. Ah, pauvre! Mais pourquoi ils n'étaient pas venus? Oh, ils avaient peut-être eu un empêchement. Oui, certainement un empêchement, comme vous dites. Enfin, il est trop tard pour chercher une explication. Venez tous les deux, j'ai besoin d'aide. C'est une mutine. Mais qu'est-ce qui se passe? Bernadette est toujours coiffée dans la buanderie. Quant à Bernard, c'est un vrai cauchemar. Il mange du saucisson à même la table de la cuisine avec son opinaire. Chanel. Tu sais quoi le
pire. Tu sais pas le pire, Micheline. Eh bien, ils veulent me piquer mon canapé. Si, si, ma puce. Bon, je laisse. Il y a des bourreaux qui arrivent. Marie-Bernadette, vous étiez au téléphone. Oh, certainement pas. De toute façon, dans les gens autorisés, j'ai personne à appeler. Vicky de Saint-Foy est à Megève et Valérie de Norton est dans l'avion pour Miami. Ah oui, et votre copine Micheline. Eh, ça fait des semaines que je ne l'ai pas eue au téléphone. Hein. Mon œil. On va dire ton bernel, ma femme, c'est pour une menteuse. Admettons. Installez-vous, j'ai la vidéo, nous allons faire le débriefing du prime time. À savoir, la soirée chez les deux Lafayette. Les deux Lafayette. Ah ben, je te ferai dire. Faut-il vous rappeler, mon bon Jean-Édouard, qu'entre gens du même monde, on ne se donne pas la particule. Bien, Bernard Barbie. Moi, bon. Mais ce sera le seul bon point de cette soirée, car autant vous dire tout de suite que ce dîner a été une véritable boucherie. Vous avez été nul, lamentable, en dessous de tout. Moi je dirais, mais c'est épouvantable et lamentable de lamentable. Enfin, vous exagérez peut-être un petit peu. Oh, mais je n'exagère rien du tout, puisque j'ai la vidéo. Vous allez avoir la preuve par l'image. On va se voir à la télé. C'est comme quand on était passé au loto. Tu te rappelles, ma Nadette? Oh, oui. Oh, regarde comme t'es belle. Oh, c'est vrai, mon Nana. Il n'y a pas le son? Ça vaut peut-être mieux. Non, mais vous êtes vue, là, Bernadette. Vous tripotez les couverts comme si vous vouliez les piquer. C'est pas de ma faute. Il n'y avait pas les numéros sur les fourchettes. Ça aussi, ça m'a gêné. Et là, c'est bouquet. Le bouquet, Bernard met son couteau dans sa bouche. J'avais un morceau de viande qui était resté coincé. Bernadette, vous auriez pu vous dispenser de reprendre trois fois du canard à l'orange. Bah, pourquoi? Il était bon, mais de toute façon, ça aurait été perdu. Bernard, on ne dit pas. Elle a une sacrée descente, la mémé, en parlant de la comtesse Poirier. Il n'y a pas d'offense, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle picole, hein? Mais d'ailleurs, ce que j'ai dit, le comte Charles Henri, ça l'a plutôt fait rigoler. D'ailleurs, on est devenus très potes, on va sûrement se revoir. Le comte Charles Henri de la Faillerie est un homme bien élevé. Alors ne rêvez pas trop, Bernard, au début d'une amitié. Je ne le sens pas du tout comme ça, hein. N'empêche, la vieille, elle suce pas que de la glace. Elle est complètement gâteuse, hein. Elle me parlait sans cesse, là, en plein dans le visage. Hein. Je te raconte pas la laine de poney. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas changé la caisse du chat, la vieille. Bernadette, vous auriez pu vous dispenser d'emprunter une demi-baguette pour le petit-déj du lendemain. Eh ben belle, hein, à qui la faute, il y a plus de pain. Bon, je résume et je vous dirai que la Jet Set Academy, ce n'est pas le jeu de loi. Nous n'allons pas nous amuser constamment à reculer de trois quarts. En conséquence, nous allons doubler les cours, ajouter des nocturnes et supprimer le week-end. Oh ben là, syndicat... T'as vu, Bernard ? Oh ben là, ça déborde, hein, quand même ! Ça n'est qu'un début ! Croyez-moi, les Leblanc, dans un mois, vous êtes méconnaissables ! Faites-nous confiance, nous n'allons pas la voler, notre oseille. À présent, le cours de nos logiques. L'apéro, enfin! On va enfin voir un cours à la santé des Lafayeries. Décidément, moi, je l'aime bien, le comte Charles-Henri. Tout d'abord, Bernard, on ne va pas boire un coup. Nous allons apprendre le vin. C'est bien différent.
Et dites, vous auriez pas des cacahuètes? Elle ne veut pas du sauciflame. À propos du comte Charles-Henri, je suis d'accord avec Jean-Édouard. Méfiez-vous, Bernard, si la vie ne fait pas le moine, la particule ne fait pas forcément le mouton. Bon, alors, on trinque, oui ou non? Prenez chacun un verre en main. Bernadette, ce n'est pas du Pyrex. On ne se cramponne pas à son verre. Il faut l'approcher délicatement, doucement. Il faut l'apprivoiser. Je reviens sur ce que j'ai dit à propos des week-ends et des jours fériés.
Oh, je savais bien qu'il y avait un fond de syndicaliste chez vous. Marie-Antoinette et moi-même, nous allons nous relayer pour vous faire faire les 3-8. Vous m'entendez, les Leblanc? Les 3-8. Ah, vous allez le découvrir, mon petit stalinien. Ça va saigner. C'est un jeune homme, ce gâteau Renoir. Je vous accorde, nous n'avons pas ménagé nos efforts ces derniers temps. Mais enfin, tout de même, un allodome, je ne sais que dire. Eh bien, dites merci, Marie Bernadette, pour de son implicité. Que diable! Ce n'est pas tant! C'était pas tant! L'idée de ces trois chevalières identiques, et notre Jean et Noir a le bon pas dans l'œil, elles sont pile à nos tables. Et nous avons tous les trois le même dessin. Ce n'est pas un dessin, Marie-Laetitia, c'est un blason, votre blason. C'est très ludique, et ça représente quoi? On dirait un bélier, ça raconte un moule. Eh bien, c'est une corne d'abondance au-dessus d'une HLR. Enfin, c'est stylisé, c'est le créateur de quartier qui l'a fait. Oh! Et de quel quartier? D'ailleurs, j'ai fait des recherches très sérieuses et j'ai découvert des choses étonnantes. Racontez! Oh oui! Narrez! Narrez! Je vais vous narrer tout cela, installons-nous. Marie-Bernadette, ce fauteuil vous tend les bras. Pas besoin de la Bentley.
cet après-midi? Non, je ne sors pas. Anne-Cécile, Vicky et Sonia viennent bridger vers 16h. Oh, vous allez encore faire la morte tout l'après-midi? Mais certainement pas. La semaine dernière, j'ai eu un fou les rois par les as. Marie Bernadette au bridge? Oh oui, pardonnez-moi. C'est au poker. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et alors surtout, pas un mot à Jean-Édouard de mon excursion avec Charles-Henri. C'est entendu, Bernard-Marie. Je vous couvre. C'est ça, couvrez-moi. Couvrez-moi. Vous savez, hein, Jean-Édouard ne voit pas d'un très bon oeil cette amitié. Oui. Et il pense que le comte ne vous fréquente que par intérêt. Et ce n'est que pure calomnie, mamie. Enfin, voyons, quand on a sur son blason deux gourdins croisés sur fond de créneaux éboulés, on n'a que faire de la fortune de Bernard Leblanc. Mais pour reconstruire les créneaux? Oui, je vous l'assure. Mais si Charles-Henri m'initie aux affaires, c'est uniquement par grandeur d'âme. Il me fait bénéficier de placements juteux dont lui-même ne peut pas profiter, étant donné sa situation financière. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, oh, le dress code ce soir pour le dîner chez les Saint-Pierre. Casual, chérie, casual. Marie, Béatrice, nous fait dîner sur sa terrasse. Oh, c'était pas le temps. Oh, c'était pas le temps. À tout à l'heure, amour. Bye, amour. Bye. Dans du Darjeeling, Marie-Antoinette, voyons. Bien vu, madame. Tout. Bon. Résidence Leblanc, bonjour. Bonjour, madame la baronne. Mais oui, bien sûr. Je vais voir si madame est rentrée. Madame la baronne, madame. Je prends, Marie-Antoinette, je prends. Oui, comment vas-tu, maladine chérie? Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, c'était ta tombée. Oh, les voir dîner les Saint-Preux hier soir avec les Percival, sans vouloir être médisante, oh, j'ai trouvé cela très farce. Pardon? Ah non, désolé, j'ai un bridge. Oui, eh bien, brunchons demain si tu veux, oui. Viens plutôt à la maison. Marie-Antoinette nous fera des sushis. Si, elle les fait comme une perle, oui. Si, si, des sushis sénégalais. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Oui, oui, tu as raison, c'est vraiment une perle. Mais tu sais, du plus loin qu'ils m'en souviennent, dans notre famille, nous avons toujours été comblés avec le petit personnel. Oui. Le petit personnel? Mais tu l'as calmé, moi, la perle blanche. 5 points. Bien fait.
Nadine, bisous, bye. Arrêtez les UV. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mécène?
personne de la science. Au nom de notre amour, jurez-moi de ne pas trahir le secret que je vais vous révéler. Il en va de notre avenir et de celui du 21e siècle. Ah, tout de même. Je vous résume. Rappelez-vous cette histoire d'inauguration du tunnel sous la Manche. Eh bien, vous vous souvenez ma déception de n'avoir pu me procurer des actions de cette affaire que je sentais juteuse à terme. Tout à fait. Eh bien, la vie s'est chargée de réparer cette injustice. Et grâce à Charles-Henri, je suis en train de devenir le premier actionnaire de la société qui va construire le plus long tunnel du monde. Mais où ça? Sous l'Atlantique. Sous l'Atlantique? Mais pour aller où? Trouville, New York. Ensemble. Je ne vous le fais pas dire. Et pas vous êtes sûr, pas d'embarrer. Certain, mais... Alors, n'ajoutez pas un mot. J'ai votre parole. Quoi? Je voulais vous parler. Jean-Edouard. Mais pour qui ne joue pas les foules? Le fait, c'est un excellent professeur, je n'en dis rien pas, mais il manque d'ambition. Il n'a pas le nez. C'est une petite pointure. Vous êtes sûr? Ah oui, certain. Ayez confiance. Amour. Et notre princesse, elle est sortie? Non. Figurez-vous que mademoiselle boude dans sa chambre, oui. Elle ne veut plus aller au bal des débutantes. Dieu me tripote, et pourquoi cela? C'est un drame de fin d'adolescence. Oui, elle prétend que cette cérémonie has-been n'est que le rendez-vous de vanité, que c'est un monde d'hypocrisie, que l'on ne rencontre que les coureurs de dot et des héritières incasables. Enfin bref, que c'est une agression pour les pauvres. Alors là, ça me trouble. Moi, il tout. Après tout ce qu'on s'est fait chier à apprendre depuis 3 mois. T'as raison, mon nana, j'hallucine grave. 4 millions d'euros pour qu'elle finisse communiste. Tiens, moi j'aimerais mieux la foudre à la dasse. Enfin, voyons, voyons, Marie Bernadette. Reprenons-nous, voulez-vous? Pardonnez-moi, Bernard, mais j'ai eu un instant de garement. Enfin, voyons, elle qui voulait être princesse de la Tchétchène, d'être enfin reconnue, mais qu'est-ce qui lui prend? Jean-Édouard. Je vous demande pardon. Jean-Édouard, figurez-vous qu'elle s'est installée depuis quelques temps entre Marie-Laetitia et Jean-Édouard, une certaine complicité qui n'a absolument plus rien à voir avec le programme scolaire. Vous galégez? Pas le moins du monde, hélas! Je suis sa mère et je vois clair! Oh, avec ce parvenu! Allez-y, Marie Bernadette adorée, et moi je vais au sauna pour essayer de transpirer toute cette déconvenue. C'est un peu exagéré, non? Mais pas du tout! Je pèse mes mots! Ce sont des mutants, les Leblanc! Des stagiaires! Nana, tu as des tests sur le fin de points d'Arimis! Ils sont faits, radins, calculateurs, racistes, fachos! Je dois reconnaître qu'on a été très bons sur ce coup-là! Les Leblanc, aujourd'hui, ils font illusion partout! Et tu trouves qu'on a été très bons? Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 1 an, 2 ans? Alors ça, dépenser les bonnes, ils ont appris, ils savent faire. Mais à court terme, ils seront vite à sec, étant donné qu'ils ne savent pas en gagner. Et je sais de quoi je parle. Ça, c'est sûr. Justement.
ça au départ, c'était une idée des Leblanc. C'était pour faire le bonheur de Laetitia. Ah, je dois reconnaître que nous nous sommes tous trompés. Laetitia, elle, est équilibrée. Il y a maintenant longtemps qu'elle a compris que le bonheur, ça ne passe pas forcément par les pages de gala. Ah, tu sais, elle est formidable, cette fille. Elle est vraie, elle est spontanée. Dis donc, toi, tu ne serais pas en train de tomber un peu amoureuse? Moi? Non, pas du tout. Enfin, j'ai de la tenue. Je n'ai pas pour habitude de mélanger business et vie privée. Dis donc, ok. Pour les Leblanc, nous allons faire comme pour un retour de plongée profonde. Il faut respecter les paliers. Nous les mettons tous les trois dans un sas de décompression. Sinon, ils vont nous péter à la figure et va y en avoir plein les murs. Quand même, avoir réussi un vernis presque parfait pour finir par l'oreiller nous-mêmes. J'étais en communication avec une autre planète. D'ailleurs,
cause de la friture. Bon, je me sauve. Vous, vous partez? Non, 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 il faut que je me dépêche de me préparer pour aller au théâtre ce soir. Et vous comprenez, je ne voudrais pas avoir l'air d'une folle. Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup changé. C'est bien là le problème. Nous, heureusement que oui. Quand je pense que j'aurais pu mourir sans pleurer à une expo de Klimt, c'est dingue, hein? Absolument, c'est dingue. Bon, je vous laisse, Jean-Édouard, je vous laisse. Bye. 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 Eh bien, elle n'est pas sortie du sas de décompression. Oh. Tu vas bien, Laetitia? Tiens, l'école est fermée. Vous ne m'appelez plus Marie-Laetitia? Ah ben, écoutez, franchement, je trouve que Laetitia tout court, ça vous va beaucoup mieux. Je commence à le penser aussi. Mes parents sont sortis. Oui, votre mère vient de partir pour le théâtre. Et mon père chez la faillerie, comme d'habitude. Et ça tombe mal, parce que je voulais justement lui dire au revoir. Pourquoi? Il part en voyage? Non, non, non. C'est moi qui m'en vais, demain soir. Comment ça, vous partez? Mais pourquoi? Parce que je pense que ma mission est terminée. Mais vous n'avez pas le droit. Vous aviez un engagement pour... De moi, oui, de moi. Et ça fait maintenant plus de 3 semaines que l'échéance est dépassée. Alors voilà. Maintenant, vous avez du fric. Vous laissez tout tomber. Mais c'est un peu trop facile, Jean-Édouard. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Une jeune héritière très en vue. Après tout, c'est ce que vous vouliez, non? Pareil. Oh, c'est peu probable. Avec l'argent que viennent de me donner vos parents, je vais m'acheter un petit hôtel à Saint-Martin. Oui, je me retire de tout ça, la télévision, la radio. Non, je vais remplacer les cocktails et les mondanités par la pêche au mérou et les grillades sur la plage. Ça va être génial. À votre ton, je ne suis pas bien sûr de votre sincérité. Je regrette, Jean-Édouard. Mais je ne me sens pas obligée de partager le point de vue d'un saltimbanque. Ah, et soyez gentil, demandez à Marie-Antoinette de me faire du thé. Après tout, vous êtes encore à mon service jusqu'à demain soir, non? Mais mademoiselle a tout à fait raison. Où dois-je faire servir le thé? Dans les chiottes, connard! Je pensais qu'on s'était définitivement débarrassé de...
quand on les expulse du cœur, ça ne cicatrise jamais vraiment. Marie Bernadette, je vous prie, enfin Jean-Édouard, qui a remis ce canapé ici? C'est une idée de Marie-Antoinette. Oui, elle a pensé qu'un petit retour vers le passé serait comme une récréation. Et vous savez, on est très bien assis sur votre canapé. Alors, mon ami, je suis dépassée, positivement dépassée. Ce n'est pas bien grave. On est bien, non? Mais bien sûr qu'on est bien. Il est vraiment relaxant. Mais ça, en son temps, je l'avais crié sur tous les toits. En dehors des cours, on ne s'est jamais beaucoup parlé tous les deux. Oui, c'est vrai. Mais vous ne manquiez pas d'ouvrage. Et puis, nous n'avons pas été toujours facile. On est têtus, les Leblanc. Vous êtes heureuse, Bernadette? Oui, bien sûr. Jamais je n'aurais cru obtenir tout ceci. Un appartement comme celui-là, une belle clé, des amis, des voyages, et puis vous, comme professeur. Et tout ça, c'est suffisant au bonheur. Oui, pour Marie-Laetitia, pour Bernard-Marie. Et puis, vous avez vu, comme Bernard-Marie est rayonnant, non? C'est pas possible. Je crois pas, de toute façon, j'y crois pas. Qu'est-ce qui vous arrive, Bernard-Marie? Une catastrophe, mais de toute façon, c'est pas à vous que je vais raconter ça. Bernard, c'est Laetitia? Non, c'est Charles-Henri. Oh, la faillerie. Ça vous regarde pas, vous. Bernard, qu'est-ce qui se passe? Charles-Henri a disparu avec toute sa famille, envolé d'oiseaux, plus personne dans le nid. Oh, ça, c'est pas une catastrophe. Mais c'est que Bernard-Marie et Charles-Henri ont monté une très, très grosse affaire dans votre dos. Moi, je n'étais pas très bien d'accord, mais... Et c'était quoi, le projet de cet escroc de la Vaillerie? Le tunnel sous l'Atlantique! Vous plaisantez? Mais c'est pas une plaisanterie! Trouville, New York, une traite! Et je suis l'actionnaire numéro 1! Eh bien, je ne suis pas sûr que l'on puisse vous présenter l'actionnaire numéro 2. Ne me dites pas, Bernard-Marie, que vous vous êtes engagé dans un mirage pareil. Mais c'est pas un mirage, je vous dis, j'ai vu la maquette tout détaillée, avec les hôtels, les stations-service et les supermarchés à 3 km sous terre. Oh, les pauvres caissières, elles vont bronzer comme des endives. Ne me dites pas, Bernard, que vous avez engagé des fonds dans cette escroquerie. 20 millions d'euros sur une société basée à Turks and Caicos. Il y a une banque des Bahamas, le tout par internet, on clique sur le mulot et hop, c'est parti. Mais ça pourrait être parti, c'est définitivement parti. Non mais vous pouvez être sûr que vous ne reverrez pas un sou. Oh, c'est pas possible, qu'on peut pas être aussi que ça. Enfin, quand on a deux gourdons à son blason, on a de la morale quand même. Blason, mais quel blason? Leur titre est aussi bidon que le vôtre. Le grand-père Lafayette avait loué au Vatican il y a 50 ans. Bon d'accord, ils ne l'ont jamais rendu. Bon, écoutez, je vais voir tout à l'heure si je peux faire quelque chose, mais j'ai bien peur, Bernard-Marie, que vous ne soyez définitivement ruiné. Oh, je suis ruiné. Oh, Marie Bernadette, j'ai honte. Laetitia, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Bernard-Marie, attendez-moi. Il n'y a pas des vols tous les jours pour les Antilles? Oh, rassurez-vous, je pars toujours demain, rien n'est changé. Mais je n'avais pas envie de partir sur une fausse note. Allez, Laetitia, on fait la paix? Bien sûr! Pardonnez-moi, prière, mais je crois que je suis un peu coulée. Comme une fin de scolarité. J'ai la trouille de l'avenir. Voilà. La jeune femme que vous êtes devenue pourra toujours continuer à fréquenter la jet set. Après tout, c'était votre objectif. Est-ce que vous le dites? Et puis, on se verra peut-être. Il y a des endroits branchés aux Antilles. Oh, sur ma plage, il n'y aura pas de paparazzi.
Pas de duc, pas de limousine. Est-ce qu'il y aura une princesse? Qui vivra, verra. Et vous, Laetitia, il y a des prétendants à l'horizon? Il y en avait un. Mais il n'a rien compris. Ah, ah bon? Quand même. Ah, il y en avait un. Et, avant de partir, je peux peut-être lui faire passer l'information. Après tout, c'était mon travail aussi. Je doute que vous arriviez à quelque chose. J'ai une rivale de taille. Ah, vous la connaissez? Et elle est comment? Il paraît qu'elle est sublime. Elle est blanche, baignée de soleil, bordée de cocotiers, les pieds dans l'eau. C'est une plage du côté des Antilles. Mais alors, ça veut dire que... Ça veut dire qu'à la Jet Set, t'es un bon prof, mais qu'à l'école de l'amour, t'es carrément un cancre. Ça vous change, hein? Jean-Édouard et moi, on a une grande nouvelle à vous
sont dans les coulisses, qui vont pouvoir nous rejoindre, ceux qui sont dans le fond de la salle, qui ont tourné avec nous sur ce spectacle, peuvent venir devant. Il n'y a aucun amateur, nous sommes tous nous égalités. Venez les applaudir, c'est une bonne troupe aussi, les amateurs comme nous, cette fois-ci.